Et du sport également dans ce flash avec un événement exceptionnel pour le club de football de Wascal. Le club recevra donc le 3 janvier les grands joueurs du Paris Saint-Germain. Les nordistes jouent actuellement en CFAA alors que les Parisiens justement sont en tête de Ligue 1. Une rencontre improbable qui se tiendra dans le cadre de la 32e journée de la Coupe de France. Et c'est donc le tirage au sort du 7 décembre dernier qui a pu déterminer cet adversaire. Et malgré la difficulté, les joueurs de Wascal prévoient de ne pas changer leurs habitudes. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour le club puisque en 1991, Wascal avait déjà rencontré le club du PSG avec, malgré la défaite pour les nordistes, un score honorable tout de même de 0-1. En tout cas, les billets sont déjà en vente. Pour ceux qui veulent suivre ce match, c'est depuis ce matin dans les magasins Carrefour de la région, notamment Clotilde Le Guévac a pu rencontrer le président du club de football de Wascal qui nous parle justement de son pronostic. Le pronostic, je dirais qu'il dépendra des joueurs qui seront alignés, mais j'avoue que j'ai franchement pas réfléchi à la question. Voilà, il y a toujours un petit espoir d'un miracle, mais bon, on reste malgré tout les pieds sur terre et il faut se rendre à l'évidence qu'il y avait l'écart est vraiment très 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 important. Mais on jouera notre chance avec toute l'abnégation nécessaire.